What's up les petits gros, bienvenue en Laponie suédoise. On va déjeuner déjà pour bien commencer la journée. On est ici pour skier un petit peu. Il y a les pistes qui sont juste derrière. C'est vraiment absolument magnifique. On va aller voir peut-être la coupe du monde qui est en train de se dérouler en ce moment. C'est la coupe du monde féminine qui est juste en bas là-bas. On va voir, aujourd'hui il fait encore un petit peu beau. Donc peut-être qu'on va profiter du beau temps pour aller skier un petit peu. Snowboarder pour moi, skier pour Julie. Et puis voilà, c'est tout, on profite d'être ici, de la neige, c'est absolument sublime. On a un petit déjeuner assez conséquent parce que hier on a fait 15 descentes, je crois juste. Ouais, 15 descentes et ça nous disait que ça brûlait environ 1500 kcal, sans compter le fait qu'il fasse moins 18 degrés ou moins 19 degrés toute la journée. Donc ton corps consomme énormément d'énergie pour pouvoir maintenir ta température et donc du coup, c'est important de bien manger. Donc on va manger des bonnes protéines, du gras. Et puis un petit peu de glucides, voilà, tranquillement. Petit déjeuner sympatoche, je mange ça et on se retrouve sur la piste où on va voir ce qu'on fait. Ok les amis, on est parti pour une petite journée de snow. Le temps est magnifique. Les conditions sont impeccables normalement. Let's go, on embarque sur une petite pioche là. Et on va monter et passer de l'autre côté de la station. Ça y est, on est en haut de la pioche. Donc là, il y a la montagne juste derrière le top là-bas. Quelques pistes. Et là, au fond, je ne sais pas si vous voyez, il y a des rennes. Stylé, franchement c'est archi stylé. Bête au calme.
We're waiting for the first starter, Wendy Holdener, in 5 minutes. It's good. C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est celui-là qu'on a testé. Et moi, je vais tester celui-ci. Switch. I try the other one. On échange. Ah, il est bon le tien. Very good, thank you so much. Ok les amis, du coup on se trouve avec Julie au championnat du monde, ben, une manche de coupe de championnat du monde du FIS. Donc on a la course qui va bientôt commencer. C'est une manche de coupe du monde, donc féminine de slalom spécial. Voilà, du coup on va regarder. Ils ont filé les petits drapeaux, on va supporter toute l'équipe. Et voilà, super sympa. Oh, je vais kolla då publiken. Är vi redo för det första hoppet? Vi ses senare. Of course, Mikaela Schifrin. Oh, Mikaela! Ja, Mikaela! Hon gillar ju Åre, har hon tidigare uttryckt. Det tog ju sin första världscupseger här. Det är länge sedan nu, hon har ju... 86 segrar och 135 pallplatser delande. Ça que j'ai bien envie de goûter, c'est du cottage cheese. Normalement c'est censé être du fromage le cottage cheese, mais là ils mettent comme si c'était un yaourt protéiné. Donc je vais goûter celui-ci avec des noix et enfin des noisettes et des raisins, des baies en fait, c'est des baies et des noisettes. On va tester ça. On va se tester des vanille jarratan. Pas du tout ce que c'est, mais on va tester, ça a l'air cool, on verra bien. Mon petit yaourt, et on va se poser ici, dans la puff, pour regarder le coucher de soleil sur le lac. Voilà. Ok, test du Melanmal Queso. On va mettre... les petites noisettes en dessous. Ah super, il y a deux alus. Première chose, on va goûter le côté cheese. Voir si c'est vraiment du côté cheese. Ouais, c'est vraiment du côté cheese. Mmh. Abusé. Je pensais que ça allait être qu'ils avaient mis côté cheese, mais que c'était vraiment un yaourt grec. Mais non, ça en est vraiment. Ouais, c'est vraiment du fromage salé. Excellent d'ailleurs, très très bon. Alors je sais pas si cette food review est très valable vu qu'on n'a pas mangé depuis ce matin. Et que là il est 4h30 ou 5h. Donc il se peut que ma faim impacte le goût de cet aliment. Donc là je vais tester avec les noisettes et les petites baies. Des figues aussi je crois, non? Non, je crois que c'est des baies. Que des baies de goji et des baies de je sais pas quoi. Oh, ça fait beaucoup, non? Ouf. Je mets tout? Ouais. Vas-y, je mets tout. Je mets tout, il faut tester. Hop. Super, on teste ça. Oups, merde. Very good. C'est très bon. Critique in Ore. Yeah. Really? Yeah. Mmh. C'est bon. C'est plutôt bizarre vu que c'est pas sucré. Mais c'est exactement ce que je recherchais. Protéiné et pas sucré. Super. Petit break pour se mettre au chaud et on regarde les vêtements en même temps. Je vais voir s'ils peuvent me faire un petit café. Ils ont la machine à café là, j'espère qu'ils vont me faire un petit café pendant que j'attends Julie qui essaye une nouvelle tenue.
De retour à la maison les amis, on est en Espagne. Pour ceux qui ne l'avaient pas compris, j'ai choisi de m'installer en Espagne pour vivre, pour profiter de la qualité de vie qui est ici vraiment très bonne et aussi du paysage qui est magnifique. Regardez-moi ça. Le petit lever de soleil. Voilà, c'est magnifique. Tous les jours c'est comme ça, il fait tout le temps hyper beau, donc c'est vraiment agréable pour travailler. C'est un vrai plaisir. Pas de temps à perdre, il est 7h du matin, je me fais à manger et à 8h on sera à l'ouverture de la salle de sport parce que j'ai un physique à récupérer, bordel. Petit récap pour ceux qui l'ont pas compris, mais j'ai arrêté la musculation pendant environ un an pour m'entraîner au Muay Thai à fond. Et donc du coup quand tu fais de la boxe thaï, c'est compliqué de faire les deux. Vu qu'on était en camp d'entraînement, on faisait que de la boxe thaï matin et soir et pas le temps de s'entraîner. Donc j'ai perdu en masse musculaire et donc le but c'est de récupérer ma masse musculaire. Je vais vous montrer comment je m'entraîne pour récupérer un maximum de muscles. On va faire les pecs ce matin et je vous ferai une programmation très bientôt qui sera disponible sur mon site. Comme ça vous pourrez suivre et commander la même programmation pour prendre du muscle pour cet été, pour être un maximum musclé. Dedans je vous inclurai une partie nutrition qui vous permettra en fonction de votre objectif de manger plus ou moins pour être plus ou moins sec et être plus ou moins fort. Voilà, en gros si tu veux être plus fort il faut manger plus et être plus gras. Si tu veux être un petit peu plus sec à l'approche de l'été, on fera une petite réduction calorique. Bref, vous verrez ça sur le programme. Je mange et on part s'entraîner. On va faire du flat bench. Je laisse les connaisseurs mettre en commentaire pourquoi je fais du flat bench, comme ça ça permettra d'expliquer aux gens. On verra aussi, on testera vos connaissances aussi et j'épinglerai le commentaire qui expliquera le mieux. Et si personne n'arrive à bien expliquer, je l'expliquerai dans une prochaine vidéo. De toute façon je pense qu'il y a des gens malins dans la communauté, donc explique-le s'il vous plaît. Du coup on va passer là à 100 kg. Du coup l'objectif sur le coucher à court terme, on va dire dans maximum 2 mois, c'est de repasser 8 reps à 120 kg. Je pense que je peux faire plus normalement, mais l'objectif c'est 6-8 reps à 120 kg, être tranquille, faire mes séries à 120, parce que 110 ou 100 c'est un peu la loose franchement. Donc voilà, on va rajouter un petit peu de piquant, on va essayer de monter à 120 au coucher. Je le fais au flat bench parce que mes bancs de coucher ici sont vraiment nuls. Je vous montre. On rajoute 5 de chaque côté, comme ça on ferait des séries à 110. Je vais me faire 4 séries à 110 kg et après je changerai d'exo.
Hola, Anaïs, bien. Sí, sí, vosotros. Casa de honor y este mirador. Bueno, ahora me llamo. ¿Por el pollo de nieve? Sí, también, porque no te fallas. Rosa, es mi nombre. ¿Este? ¿Me pasa? Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait avec les haltères, juste d'habitude je le fais avec le câble. Et je sais pourquoi, hein, c'est quand même vraiment mieux avec le câble. Là, je sens beaucoup de tension au niveau du tendon du bec, au bout du tendon du bec, ce qui est très mauvais. Tu devrais sentir au milieu du bec, là tu le sens au niveau de l'épaule, ça veut dire que le tendon du bec est en mauvaise posture quand il le fait. Là, tu es en full étirement, tu as le poids max, et quand tu es en haut, tu n'as plus rien, tu n'as plus aucune tension. Donc, c'est pas le mieux. Je préfère largement avec le câble, c'est quand même plus intéressant. Ça fait du bien cette petite séance de pec. On commence à retrouver des bonnes sensations au pec, ça fait plaisir. Du coup là je vous ai attaqué la semaine d'entraînement, les semaines d'entraînement, et ensuite il y aura la partie diète et tout ça. Ça va prendre quand même pas mal de temps, donc on va se quitter ici comme ça. Je bosse sur les programmes, je vous envoie la vidéo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle. J'espère que vous avez kiffé. Ciao. Tadam, j'ai reçu mon trophée pour les 100 000 abonnés sur YouTube. Ça fait grave plaisir, merci à tous. C'est une grosse consécration, ça fait énormément plaisir. Non, sérieusement, c'est vraiment quelque chose qui m'a motivé cette semaine. Je l'ai reçu il y a quelques jours et ça me motive. Je l'ai posé sur le bureau et tous les jours, je le vois. Et je me dis qu'il faut que je travaille parce qu'il y a quand même plus de 100 000 personnes qui me suivent et qui attendent des vidéos. Donc, gros boost de motivation. Merci à tous de m'avoir envoyé ce cadeau. Ça fait plaisir. À bientôt, ciao.